Bonjour les amis, Mitra Pneumade, l'équipe de Nintendo Alert. On se retrouve pour un nouveau let's play de Xenoblade Chronicles 3. Lors de la vidéo précédente, je vous avais expliqué que j'allais farmer un petit peu. Et là, nous sommes arrivés à la colonie 9. Donc on a farmé un peu. C'était pas intensif non plus, mais moi j'aime bien farmer. Et vous voyez que... Il me semble, hein, je suis pas certaine à 100%, mais il me semble que ça repop régulièrement... Les items. Voilà, une nouvelle cinématique. Oui, ils parlent entre eux. Après, c'est un point de vue assez personnel, mais je trouve ça tellement dommage. Et c'est assez propre à Nintendo. Il n'y a jamais, ou très rarement, de dialogue en français. Et ouais, je trouve ça très dommage, hein. C'est des jeux qui sont quand même les triple A, c'est pas donné non plus. Ils pourraient quand même faire l'effort de mettre des voix françaises. Je trouve ça assez dommage. Encore là, ça va, il n'y a pas trop à se plaindre, c'est pas écrit trop petit. Il y a certains jeux où c'est écrit en minuscules. Qui paye des milliers d'euros par police d'écriture. Donc nous voici dans la colonie 9. Alors le cadran vital. Le cadran vital indique la quantité d'énergie vitale récoltée sur les adversaires vaincus. La quantité de flamme qu'il contient diminue avec le temps. Les statistiques de vos personnages augmentent quand la jauge du cadran vital se remplit. Alors tâchez de la maintenir aussi pleine que possible pour en profiter. Intérêt des conversations. Ça, tout le monde n'aime pas particulièrement les conversations, mais voilà. Une étoile à côté du nom du personnage signifie que celui-ci a quelque chose de nouveau à dire. Si vous lui parlez, cela augmentera aussi votre affinité avec sa colonie. Ouais, donc là, ils vont vous obliger à parler à tout le monde, hein, si j'ai bien compris. Pour augmenter les affinités. Puis bon... C'est autant moi j'aime beaucoup le scénario, autant parfois les discussions sont... ouais, c'est pas super passionnant. Hein. Ça, je me demande si ça au début, je vais pas me m'échiner à le faire et après... aller parler à tout le monde comme ça, ils te racontent leur vie. Il reste à savoir aussi ce que ça apporte, hein, les affinités avec la colonie. Parce que là, à l'instant où je vous parle, je sais pas trop ce que ça apporte. Forcément un plus, mais lequel? Est-ce que c'est vraiment important? On dirait un peu les mercenaires du Raya. Encore une ref aux précédents opus. Moi, j'insiste, mais je trouve ça vraiment navrant qu'ils fassent pas l'effort de mettre des dialogues. Là, en l'occurrence, c'est écrit. Donc... oui, des dialogues parlés et en français. Ouais, pas que j'aime pas lire, mais bon, voilà quoi. C'est pas super intéressant quoi. C'est, ça donne pas envie, on va dire. Ah, une bonne douche. C'est rare ces moments-là. Non. Ah, ça me fait penser à une scène en particulier. Les fans de Xenoblade Chronicles 2 ont tout de suite
voir de quelle scène je parle, celle avec Nia Say, et Mitra. you know how you became an officer after what happened? I guess. On remarquera qu'ils sont pas pudiques, hein. C'est les douches sont mixtes. Ouh. Does it still hurt? Ah. No. Pas très sympa ce souvenir. But I'm getting there. Il serait donc mort. I've sent so many of our comrades. A lot's happened. Both for me and those sent on. Anyway, worry about him. Poor guy. Pushes himself too hard. What can we do? He's been like this for ages. Donc je profite de cet instant des douches pour revenir sur ce que je disais dans une vidéo précédente. J'ai l'impression que toutes les critiques qu'il y a pu avoir sur Chara Design des persos étaient assez. Les filles, elles étaient assez, assez sexy, on va dire. Mais elles sont un peu revenues, revenues dessus. Elles sont très pudiques, hein. Il y a une grande pudeur. Oh, big deal. If that heel had come a few seconds later, you'd be sleeping in the dirt. That was part of the plan. You couldn't tell. I just felt like giving you the credit. But don't worry, you can thank me later. Huh? You're a right muppet, Lance. Se disputer tout nu dans les douches, c'est quelque chose de cool. Off to bed with me. Yeah. All that walking's really done a number on me. I'm sorry. Come on, let's go. Yeah. C'était sympa cette petite douche. J'en prendrai pas spécialement avec eux, mais. Lance, you're being very diligent. Si on allait se pieuter. Ça me fait toujours rire les traductions FR. Enfin, il y a des expressions, on pourrait presque donner l'âge de la personne qui a traduit. An emergency assembly. It's the crack of dawn, guys. Why? Par contre, moi, no pour idea. Le moment, j'aimais beaucoup plus le côté coloré de Xenoblade Chronicles 2 au niveau des tenues. Là, c'est assez sobre. Hein. J'espère que ça va changer. Bon, c'est pas primordial, mais c'est quand même un peu plus sympa quand t'as des tenues plus colorées, on va dire. Hein. Là, c'est. C'est une sobriété. On a presque du mal à distinguer les personnages. Remind me, what are we lining up for here? Royal decree from the castle. They say an enemy armored unit's approaching this area. Come on, man. I just got to sleep and everything. Friend's fault for staying up late. And whose fault was it I couldn't sleep? I asked you to do the maintenance on my power frame, but you totally messed up my settings. Quel caractère. That probably different frame. Riku is popular guy, but crushed by weight of fans asking to do favors. Sometimes mix up orders. Mec, if config's bamboozle, why not fix myself? Je sais pas, je sens qu'il va s'énerver. That's why I didn't get any sleep, Furball. I'm here to announce today's mission. You have one target. It's currently on course for the suppression area here.
c'est que ça. Judging from the mass, it's expected to be large in size. And based on its speed, we estimate it will reach the Alfeto Valley at 0100 hours. Notably, the target's emitting a considerable amount of ether energy. L'éther. As for your mission, deploy at the canyon by the designated time. Investigate and destroy the source of ether. Commander, one question. Go. About this target, can we assume it's from Agnes? We don't know. We haven't been able to confirm, but it seems that they're also gunning for it. This would suggest it should be seen as part of a different enemy force. Combat with Agnian troops in the area is also expected. Details will be sent to your Iris after deployment. Clear? You are to remain vigilant throughout the operation. Dismissed! C'est parti pour la parlotte, hein. Bah voilà, ça c'est la... C'était sûr. À chaque camp c'est comme ça, donc l'intendance, les quêtes. Ça m'étonnerait qu'au début on ait assez d'argent pour acheter tout ce qu'il faut, mais... C'est toujours une étape importante, hein, quand on arrive dans un village, une colonie, là où il y a des marchands. Toujours très important. D'ailleurs, c'est carrément une quête. Alors, appuyez sur Y pour vérifier l'objectif actuel de la quête active. Acheter des objets. Les objets s'achètent dans les boutiques en échange d'or. Moi, j'ai toujours pensé que j'ai c'était gold. Vous pouvez aussi y vendre des objets pour gagner de l'or. Alors, objets purement à vendre. Les objets marqués d'une icône de balance n'ont pas d'autre unité d'utilité pardon, que d'être vendus. Amassez-en autant que possible pour gagner de l'or pour vos prochains achats. Voilà, bon ben c'est... comme la majorité des RPG. Hein. Farmer, vendre, améliorer l'équipement... acheter. Je vais aussi regarder les prénoms qu'ils ont pu donner au personnel. En fait, c'est assez marrant. Alors, on va regarder... ce qu'on peut acheter. Alors. Mémoire pâle augmente de 20% les PV maximum. Prolonge de 20% le temps disponible. On a déjà un objet équipé sur notre sur Noah. On a peut-être regardé pour mettre sur le tank et le heal. On a 1000G donc on pourra pas acheter tout ce qu'on veut. Prolonger 15% la durée du déséquilibre. Ça c'est pas mal pour mon tank. Ouais, je pense que je vais prendre ça. Mais oh, mais pourquoi en fait il me laisse pas acheter? Ah, il m'oblige à acheter. il m'oblige vraiment à acheter celui-là? Bah non, bah alors. Ah, d'accord, ok. Autant pour moi. J'appuyais bêtement sur le A, parce que ça me semblait être logique. Mais pas du tout. Où est-ce qu'il retourne le truc? C'était pas les auto-attaques, tu vois, sans la garde. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors là, on vit ensemble une incompréhension. A, j'appuie sur A, ça fonctionne pas. J'appuie sur Y, ça fonctionne pas. J'appuie sur X, ça fonctionne pas. Alors pourquoi?
on va faire un retour là parce que je comprends pas pourquoi. Il me met là, là il m'oblige en gros. Donc je voudrais acheter, équiper. Alors ah, voilà, je comprends vraiment. Alors j'ai pas compris messieurs dames, pourquoi. J'ai pourtant appuyé sur A. Je sais pas pourquoi en plus il m'impose celui-là. C'est pas celui que je voulais acheter, mais ok. Ça me fait penser un peu au gilet abyssal dans le 2 où on nous oblige à l'acheter. Ben, est-ce qu'on peut vendre quelque chose? Non, on n'a rien à vendre. Ben, c'est cool. Ok. Bon. Alors là, ça va parler. Pas mal. Qui devrait faciliter un peu la tâche. Vas-y, mets-le. Ouais, voilà, donc... ça ne nous a pas trop laissé le choix. Ouais, donc... oui. Donc lorsqu'on a l'icône là avec la main et le dos, mais vraiment je pense qu'ils ont tenu compte des retours qu'il y a pu avoir sur le 2 où les gens trouvaient que c'était trop compliqué, ceci, cela. Moi je pense surtout que vous êtes un peu feignants ceux qui se plaignent. Et là ils vous mettent vraiment, vous pouvez pas vous tromper. Hein. Voilà. Ah ouais, là, le travail est mâché. Hop, équipez votre accessoire. Vous n'avez qu'un emplacement d'accessoire au début. On a compris. Donc du coup, ma pierre d'attaque. Oui, il faudrait que j'enlève ma pierre d'attaque. Ouais. Ok. Bon. J'ai pas trop eu le choix. C'est pas ce que moi j'aurais fait. Enfin, soit. Ça lui a augmenté ses PV. Après, c'est clair que ce genre de gilet, normalement, on en met à tous les persos, surtout au début, pour augmenter les PV. Mais j'ai pas l'argent pour. Hein. Enfin, tout le monde est équipé, c'est vite dit. On a acheté un. Par contre, j'espère vraiment que c'est comme ça au début, c'est-à-dire c'est hyper long, ça blablate pour voilà, pour les nouveaux joueurs, pour faire comprendre un peu et que ça va pas être à chaque point d'arrêt où il va y avoir des dialogues comme ça sans fin, ça sert à rien. Alors, bref, chaque fois que vous progressez dans une quête, celle-ci se met à jour automatiquement. Donc appuyez sur les boutons gauche, droite pour changer de catégorie de quête. Lorsque vous consultez votre objectif actuel en appuyant sur Y, vous pouvez aussi appuyer sur plus pour afficher la carte des alentours de l'objectif de la quête. Ok. J'espère qu'après, voilà, il n'y aura que les points d'exclamation et que ça ne va pas parler plus que ça. Qu'on va accepter la quête et voilà. Franchement, ce sont pas des dialogues hyper intéressants. Hein. Ils demandent. Moi, généralement, ça, je le passe. Hein. Voilà, j'appuie sur A comme une forcenée. Bah, il raconte sa vie, on s'en moque un peu. Ça veut dire à quel point il est dans le besoin et ceci, cela. C'est vraiment pas. Hein. Il a besoin d'un radis. Ouais. Super.
Voilà. Alors, action. Effectuer les actions indiquées. Vérifier la carte encyclopédie. Alors, ouvrir le menu principal avec X. Consulter une... Ouais, vraiment, là, c'est vraiment un tuto. C'est bien pour les nouveaux. C'est vrai que ça peut être un peu frustrant pour des joueurs comme moi qui connaissent. Alors, oui, bon, d'accord, ok, super. Alors ouais, je voulais, j'en profite, je voulais aller voir, je peux pas, qu'on me laisse pas. Donc ouais, bon, on me laisse pas aller voir, je m'étais dit que j'allais pouvoir équiper l'objet à un autre personnage, l'objet qu'on avait, le premier qu'on avait équipé à Noah, vu qu'il a pris un objet pour lui rendre des PV, je pensais qu'on pouvait l'équiper aux autres, mais non. Non, vous voyez, là, je peux pas. Donc là, on est vraiment ultra... c'est ultra rigide, là. J'espère vraiment que c'est qu'au début, quoi. Que c'est le tuto et que... Bah, j'en doute même pas d'ailleurs. Donc voilà, en gros, hein, là on est sur, sur la première colonie, hein, le premier point. Et ça explique tout. Je pense que c'est pour ça que c'est aussi rigide. On vous présente vraiment tout. En explorant le monde, vous ramasserez des trouvailles. Elles servent à accomplir certaines quêtes et à satisfaire les requêtes formulées via des cartes, les cartes d'encyclopédie. Bah, c'est ce que je vous disais lorsqu'on ramassait en fait les objets. C'est super important parce que bah, ça peut vous aider dans des quêtes, ça peut vous aider pour améliorer votre stuff, etc., etc., etc. Vous voyez là tous les points d'exclamation. Bah, c'est toutes les quêtes que vous aurez à remplir. Je vais réessayer en fait d'aller. Voilà, bon, voilà. Ah, maintenant, j'ai accès au perso. Ok. Mais j'ai accès qu'à lui. Ah non, pardon, R. Tant pour moi. Donc, ouais, il faut vraiment être, même moi, hein, faut vraiment être attentive. Et il y a énormément d'informations à l'écran. Il faut vraiment prendre le temps de les lire. Il a 30, il a 938 de PV. Alors voyez, moi j'aurais eu plutôt tendance en fait. J'ai toujours tendance en fait à mettre le stuff de PV en plus à mon heal. C'est, voilà, chacun joue comme il veut. Moi je mets toujours au heal. Je tiens particulièrement à avoir une team avec un soigneur, une soigneuse. Voilà, en l'occurrence comme j'ai plus d'accessoires pour lui mettre, je vais le mettre peut-être pour le jeu, non, on s'en fout, on s'en fout, bah je vais lui mettre ça quoi, hein. Alors lui, ok, accessoires. Bon, je le mets parce que voilà, hein, il y en a, autant le mettre, mais l'un comme l'autre, c'est pas fou, hein. Mais allez, on va mettre prolonger 16% la durée d'un déséquilibre. C'est pas dingue, hein. On a compétence. Alors. Médical, moins de 2%. Ok, donc on voit ce qu'elle fait. Donc, esprit médical augmente de 22% les PV régénérés. En utilisant des arts de soins, soins rapides, au moins 25%. Ok. Elle, elle est basse en PV, hein, comme tous les soigneurs. Il faudra vite lui mettre un objet comme on a pu mettre à Noah. Donc voilà. Là,
C'est là une partie où je vous ai montré un peu. C'est encore pour moi une phase de tuto hein, où vous arrivez sur la première zone avec des marchands. Où, voilà, ça parle énormément. Où on vous explique un peu le système des quêtes et tout ça. Donc moi, je vais progresser un peu dans cette histoire en allant chercher les quêtes. Et on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite.